Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Papa de ce kimono au gilet long de plage. À vous de voir ce que vous voudrez en faire. Et écoutez, on est parti sur ce semblant de tuto en corail qui devient à la fin un tuto en blanc. À de suite. Donc ce gilet est fait essentiellement en résille avec un motif répétitif assez simple que nous allons faire donc ensemble. Donc c'est quelque chose d'assez lâche, assez loose. Vous allez venir chercher la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine ou les hanches. Une fois que vous aurez cette largeur, vous rajouterez grossièrement 10 cm. Oui, 5 à 10 cm, hein, ça sera à vous de voir. Et nous allons donc faire des grands rectangles. Voilà, des grands rectangles que vous pourrez faire par exemple de 1 mètre. 1 mètre, on peut dire sur par exemple 60 cm. Voilà, ça serait le premier. Ensuite, deux rectangles de 30 cm par 1 mètre. Donc, c'est un exemple. Hein. Si votre circonférence la plus large est 110, que vous rajoutez 10 cm, ça vous fait 120. Divisé par 2, ça fait donc le premier pan 60 par 1 mètre et deux pans donc de 30 par 1 mètre. Ok. Chaque motif est composé de 6 résilles. Donc il va falloir que vous fassiez bien attention d'avoir dans les mesures que vous allez prendre chaque fois 6 résilles. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. Je vais commencer donc par faire une chaînette. Donc le motif, s'il y a 6 résilles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles, plus une sur la totalité. Ok? Donc, en résumé, pour savoir combien je vais avoir besoin de motifs, je vais faire la chose suivante. Je pars sur 30 cm. Et je commence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Et je recommence. Un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et je recommence. 1, 2, 3. Ça, je le fais jusqu'à obtenir donc mes 30 cm, donc des multiples de 18 plus une. D'accord? C'est reparti pour moi. Donc 3. 4, 5, 6. Donc là, pour avoir 30 cm, j'ai dû faire 5 motifs. Donc, bien évidemment, ça dépasse. Hein? On est bien d'accord. Ça dépasse un petit peu. Donc là, j'en suis à 5 fois 18 plus une. Ok? Ça, c'est donc pour 30 cm. Maintenant, je viens faire une, deux mailles en l'air. Dans la première ici, pardon, dans la troisième, je fais une bride. Alors oui, je fais trois mailles en l'air et une bride pour qu'il y ait plus de matière pour coudre. On vient faire donc deux mailles en l'air, une, deux. Là, on passe donc deux mailles, une, deux. Dans celle d'après, on fait une bride.
une, deux mailles en l'air. On passe deux mailles. Une, deux. Dans celle d'après, on fait une bride. Et ça, on va le faire donc jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Donc, ce rang sera le seul qui sera fait de résille sans aucune résille pleine. D'accord? À partir de maintenant, on va faire donc par 6, il y aura des résilles pleines pour créer le motif. Nous venons faire ici donc une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On fait donc une bride ici pour soutenir les deux mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. Et là, on vient piquer au-dessus de la bride précédente. Donc une, deux mailles en l'air, deux résilles, une, deux mailles en l'air et la troisième résille. Donc quand c'est vide comme ça, j'appelle ça résille. Et quand c'est plein, je dirais résille pleine. D'accord? Comme ça, vous vous trompez pas sur ce que je raconte. Pour faire la résille pleine, je vais venir faire deux brides à l'intérieur. Une. Et deux. Et une autre bride ici. Voilà. Donc, ceci est une résille pleine. Là, c'est reparti. On va faire maintenant 5 résilles normales. Donc, 2 mailles en l'air, une bride. Voici une résille. Une, 2 mailles en l'air, une bride. Une deuxième résille. Une, 2 mailles en l'air, une bride. Une troisième résille. Une, deux mailles en l'air, une bride. Une quatrième et une, deux mailles en l'air, une résille. Voici notre cinquième. À présent, nous faisons une résille pleine, c'est-à-dire une, deux, et trois brides. On repart à présent en alternant constamment 5 résilles, une pleine, 5 résilles, une pleine, et ce jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons donc, moi j'ai, hein, selon ma main et mes besoins, 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Hein, ce qui est donc relatif à ce que je vous disais tout à l'heure, 18 x 5 plus 1. Okay. Là maintenant, je repars donc avec une, deux mailles en l'air. Je viens faire une bride ici pour soutenir mes mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. Là maintenant, je vais faire deux résilles. C'est-à-dire ici, en piquant, je crée ma première résille. Une maille en l'air, une seconde, et je refais une bride pour créer ma deuxième résille. Voilà. Ici, je vais donc faire une, deux, et trois brides. Donc, ce qui me fait une résille pleine. D'accord? Maintenant, je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je reviens ici et je viens faire 4 brides. Une résille pleine. Donc, ici, une première. 2. 3 et là
ma quatrième. D'accord? À présent, je vais faire trois résilles. Une, deux, trois. Donc, deux mailles en l'air. Une bride. Une bride. Deux mailles en l'air. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et maintenant, je recommence exactement ce que j'ai fait ici. Une résille pleine, c'est-à-dire trois brides de plus pour faire une résille pleine. Donc, une, deux, trois, cinq mailles en l'air, une, 2, 3, 4, 5. Une résille pleine, donc à partir d'ici. Donc c'est 4, c'est-à-dire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Suivi, vous voyez, de 1, 2, 3 résilles. Ok, et donc ce motif là, on va le répéter jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Arrivé en fin de rang, on a fait donc deux résilles après la résille pleine. Voilà ce que ça donne. Ok, allez, c'est parti. Une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. On vient faire donc une bride de soutien ici. Comme ceci, une, deux mailles en l'air, on fait donc ici une bride, à présent nous allons faire une résille pleine, c'est-à-dire deux brides à l'intérieur, une, deux, et une bride ici. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Nous faisons à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, en plein milieu, on vient faire une maille serrée. Et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Après la résille pleine, ici, on vient faire une résille pleine. C'est-à-dire que on vient faire ici une bride. Deux brides à l'intérieur. Donc, une, deux et une bride ici pour finir notre résille pleine. On fait à présent une résille simple. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons répéter le motif, ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire résille pleine, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, résille pleine. Eh bien, on le refait sur le motif ici et sur les motifs qui arrivent. Donc, deux brides. Une et deux. Une bride ici, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, ici une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, on repart ici avec une résille pleine, donc 1, 2, 3, 4 et à côté une résille toute simple. Voilà. Et ce motif, on le répète donc jusqu'à la fin du rang. Voyez? Et à la fin du rang, il nous restera comme ici une résille. On se retrouve en fin de rang.
Donc, comme prévu, ici nous faisons une résille tout simplement. On repart avec une de maille en l'air, on tourne le travail et cette résille maintenant va être une résille pleine. Donc ici la bride, deux brides à l'intérieur, donc une, deux et une bride ici. Voilà. À présent, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir piquer juste avant ici et on va faire une maille serrée. Comme ceci. Une maille serrée dessus, la maille serrée précédente. Et une maille serrée juste après. Et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient faire ici une résille pleine. Donc, 1, 2, 3. Et ici la quatrième bride et on repart directement avec 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici la maille serrée, dessus la maille serrée, après la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici la résille pleine. Une bride dessus. 2 au milieu. 1, 2 et une après. Et on recommence exactement pareil. Voilà, vous avez le motif là. Vous voyez ? Donc, vous faites exactement la même chose sur les 3 motifs restants. Ok, exactement ce que nous venons de faire ici. On se retrouve en fin de rang. Et nous faisons donc notre dernière résille pleine ici à la fin de notre rang. Donc, 2 brides à l'intérieur. Et une bride ici. Voilà. Une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride comme d'habitude de soutien dès la première ici. Celle-ci sera donc une résille normale, donc une, deux mailles en l'air et une bride ici après. La résille pleine va se situer ici, donc ça c'est la première de 4 brides, donc une, voici la deuxième, la troisième et la quatrième, donc on a recréé une résille pleine. On vient faire à présent 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, en plein milieu, on vient faire une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on va recréer une résille pleine, c'est-à-dire 3 brides, donc 1, 2, 3 et ici dessus on fait la quatrième.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a recréé nos résilles. Celle-ci sera une résille toute simple. Une, deux. Ici, la bride. Et là, on repart exactement comme ici. Donc, on crée notre résille pleine. Donc, la première, deux, trois, 4, 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, résille pleine que nous recréons, donc 1, 2, 3, et ici la quatrième. Voilà, une, deux mailles en l'air et on recommence tout simplement. D'accord, là vous allez encore une fois repartir résille pleine, 5 mailles en l'air et ainsi de suite comme nous venons de faire sur les deux derniers motifs. Ok, à de suite. Ici en fin de rang, nous devons donc faire une résille toute simple. Et voilà. Donc une, deux mailles en l'air. Alors là, on va commencer par deux résilles toutes simples. Donc ici, on fait une bride, deux mailles en l'air. Ici, une première bride pour faire une première résille simple. Une, deux mailles en l'air. Faire ici une seconde résille simple comme ceci et là nous allons former donc une résille pleine, donc une, deux, trois et la quatrième. Nous faisons à présent une, deux mailles en l'air et ici nous allons créer encore une fois une résille pleine, c'est-à-dire une, deux, trois brides. Ici on fait la quatrième et voilà que nous avons recréer une résille pleine. D'accord, on va donc séparer là par trois résilles simples, donc deux mailles en l'air, une, deux, ici une bride, une, deux mailles en l'air, ici une bride, une, deux mailles en l'air, ici une bride. D'accord. Et là maintenant, nous allons recréer ce que nous avons fait ici. C'est-à-dire ici, une résille pleine. Donc une, deux, trois, quatre, deux mailles en l'air. Et on recrée ici une résille pleine. Donc une, deux, et ici la quatrième. Voilà, on va séparer tout ça maintenant comme ici de trois résilles simples et on recommencera tout simplement ce que nous venons de faire sur les trois autres motifs. On se retrouve une fois que c'est fait. Bien évidemment, comme en début de rang, on finit notre rang avec deux résille. Et là maintenant, ça va pas être compliqué. Tout ce que nous venons de faire à partir du deuxième rang, on le refait tout simplement de façon infinie jusqu'à la hauteur que vous voulez atteindre.
C'est-à-dire que là, on repart avec une deux mailles en l'air, une bride, une deux mailles en l'air, trois résilles, donc une, deux, trois. Ici, nous faisons donc, voyez, de façon symétrique, une résille pleine, c'est-à-dire une bride, une seconde bride et une troisième bride pour recréer une résille pleine comme ici. Et là, exactement pareil, tout ce que vous avez fait, vous refaites. Donc là, 5 résilles, une résille pleine, 5 résilles, une résille pleine, et ainsi de suite. Donc sur les hauteurs, sur la hauteur que vous désirez, sur le nombre de pans que vous avez besoin. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois qu'on a fini nos 3 pans. À de suite. Là, j'ai mes 3 pans. Donc le pan du dos qui mesure donc 60 sur 1 mètre et j'ai 2 pans avant. Là maintenant on va venir coudre, joindre les pans avant de façon à pouvoir venir faire les manches qui sont hyper faciles à faire puisque c'est un kimono puisqu'il n'y aura pas de diminution. Donc prenons notre pan arrière. On va le mesurer. Alors, vous comprenez bien que du fait que ce soit un motif, ça peut pas tomber à 60 cm pile. Hein. Donc, vous allez mesurer le pan arrière. De cette mesure, vous allez enlever 20 cm. Le résultat, vous allez le diviser par 2. Allez, on y va. Je vous explique un petit peu mieux. Alors, disons, si le pan arrière fait 60, vous retirez 20 cm. Ce sera pour le col. Donc, il reste 40. Ça, les 40, vous le divisez par 2. Ce qui fait que vous allez laisser 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. Je vous donne 20, mais ça ne sera jamais 20 parce que c'est impossible. Mais donc, vous faites le calcul, par exemple, si vous avez 68 moins 20, donc c'est égal à 48 divisé par 2. Donc, ce côté, vous aurez 24, le col de 20 cm et 24 de l'autre côté. C'est important, pourquoi? Parce que nous allons joindre les pans avant que sur les 24 cm. On va laisser le col, d'accord? Donc voilà, j'ai marqué ici le centre de mon col. 10 cm, ça me donne approximativement ici. Donc là, je vais commencer. Ça va froncer un petit peu, hein, qu'on soit d'accord. On va juste froncer un tout petit peu les premiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, grossièrement 10 cm, c'est là. 10 cm d'un côté, 10 cm de l'autre. Là, je viens mettre mon marqueur pour le tenir. Voilà. On va joindre donc jusque là. Et cette partie-ci, je vais un tout petit peu la froncer pour faire mon encolure. Hein? De toute façon, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être hyper simple. Je prends une aiguille et je ne le fais pas au crochet. Ça sera beaucoup plus facile. On se positionne au bout. On fait donc un nœud. On rentrera les fils en dernier lieu. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est bien résille sur résille. Donc,
pas compliqué du tout. Donc on va joindre jusqu'à approximativement donc 1. Alors on laisse grossièrement une douzaine de centimètres. À partir de là, on coupe pas. Donc on va joindre tout le reste. Voilà, donc tout ça je le joins normalement. Alors, normalement ça veut dire tout simplement une maille dans une maille. Donc on se rejoint au marqueur, hein. Vous voyez, c'est pas sorcier, vous prenez la maille du pan arrière, la maille du pan avant et hop, comme ceci. Allez, on se rejoint au marqueur, à de suite. Voilà, maintenant que j'ai joint cette partie, j'arrive donc à mon marqueur. Et là, il va falloir que je fronce un peu, mais pas tant que ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, on va venir piquer à l'arrière dans une maille et à l'avant sur deux mailles. Une et deux. Voilà. Pas tout le temps non plus parce que ça va être trop froncé, hein. Donc un coup de façon normale. On va dire deux coups de façon normale. Et la fois d'après, eh bien écoutez, on prend une derrière. Mais comme devant, on va froncer, on prend deux mailles. Une. Et deux. Voilà. Et ça donc, on le répète jusqu'au marqueur suivant et délicatement, comme ça, ça aura froncé. Cette partie sera fait une jolie encolure. Ok? Allez, on se retrouve quand c'est fait. Voilà, quand on a créé l'encolure, alors je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait pas vraiment très très froncé, hein. C'est ici, hein, que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est pas réellement froncé. C'est l'énorme avantage. Bon, donc, on fait exactement pareil. Là, bien évidemment, donc, un bon nœud. On pense au lavage, on rentre le fil. Et on fait exactement la même chose sur l'autre côté, en ayant vraiment pris soin que ce soit relativement symétrique. Ok? Allez, on se retrouve quand... On a fini donc les deux épaules là de suite. Donc voilà, une fois que c'est fait, qu'on a cousu les deux épaules, on va venir à s'attaquer sous le bras. Donc c'est à vous de déterminer. Alors, ici. La couture, on est toujours sur l'envers, hein. L'avantage c'est qu'on a travaillé en résille, donc on va pouvoir compter par rapport aux épaules. Je vous compte pas les miennes par rapport aux autres, puisque les miennes maintenant sont disproportionnées. Mais bon, je sais approximativement qu'il va me falloir 25 cm, donc ça va me donner approximativement par ici. Voilà. Voilà, ça va me donner là. Donc ici, je mets mon marqueur pour joindre les deux, et de l'autre côté ça va pas être difficile puisque je vais compter le nombre de résilles que j'ai pour reporter exactement de l'autre manche pour avoir le même nombre de résilles en haut et en bas, le même nombre de résilles qui feront partie de la manche et qui feront partie du bas de l'ouvrage. Donc maintenant que j'ai déterminé le bas de mon ouvrage, bien tout simplement, comme les épaules, je viens les joindre bord à bord et on se retrouve une fois que la couture des deux côtés est faite. Hein, à de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fini de coudre les côtés, je n'ai pas cousu jusqu'au bout. Hein. J'ai laissé trois motifs, 1, 2, 3, qui ne sont pas cousus. Voilà.
voyez, au niveau du centre du motif, j'ai arrêté de coudre, ce qui donne, je pense, 20-25 cm. Voilà, 25 cm approximativement. C'est pour l'aisance, pour quand on marche, que ce soit plus simple. Et bien voilà, on a fait toutes nos coutures, les épaules, les côtés. Là, on va s'attaquer aux manches. Pour faire les manches, on va venir se placer sous la manche, sous le bras. Donc, j'ai pris un crochet plus grand, hein, comme je vous avais dit. Mais donc, vous l'aviez pas vu à l'image. Là, j'ai pris un 3,5, vu que je crochète un petit peu lâche. Ça équivaut largement à un 3,75 voire un 4. Hein. Donc, deux mailles en l'air. Ici, une bride. Deux mailles en l'air. C'est une résille. On vient en plein milieu. Et on fait une bride. Deux mailles en l'air. En plein milieu de la résille, une bride. Deux mailles en l'air. En plein milieu de la résille, une bride. Deux mailles en l'air. Là, c'est une résille pleine. Tant pis, c'est pas grave. En plein milieu, on fait notre bride. Deux mailles en l'air. En plein milieu de la résille, une bride. D'accord? Mais écoutez, on fait ça sur la totalité, hop, 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 de la manche. Et on se retrouve ici à la fin du rang. À de suite. Donc, arrivé à la fin du rang, ici, nous venons faire une, deux mailles en l'air. Et là, je vais venir dans la bride, la première bride, faire ici une maille coulée, une, deux mailles en l'air, une bride. Pour pouvoir décaler mes résilles, il va falloir que je fasse ici en plein milieu la première. Donc je refais une bride ici en plein milieu, d'accord? Et là je peux retravailler en décalé. Donc deux mailles en l'air, une bride en plein milieu. Deux mailles en l'air, une bride en plein milieu. Deux mailles en l'air, une bride en plein milieu. Deux mailles en l'air, une bride en plein milieu. Donc, on va alterner un rang où on va devoir faire une bride de suite après notre bride de départ pour pouvoir décaler. Et bon, vous allez voir sur le rang suivant comment rétablir les choses de façon à alterner celui-ci et l'autre. Ok? Allez, là, on se retrouve en fin de rang de suite. On fait à présent une maille en l'air. On vient dans la première ici faire notre maille coulée. Et là, on est bien au milieu pour pouvoir reprendre ici, hein. Donc on fait une, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une, deux, et là on peut venir faire notre bride et ça nous redécale. Ok? Sur le rang d'après, on fera ici donc notre bride, nos deux mailles en l'air et notre bride, et on refera une bride directement comme on a fait ici précédemment pour pouvoir redécaler. Donc rien de bien sorcier, on va faire ça sur une, personnellement, sur une trentaine de centimètres, à vous de voir quelle est la longueur qui vous mettra à l'aise, plus ou moins longue, ça sera à vous de voir. Mais écoutez, on se retrouve une fois qu'on a fini nos manches, je vous dis à de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé les manches, c'est parfois assez aléatoire de mettre des franges. Donc j'ai demandé à la personne qui était concernée, qui m'a dit qu'effectivement c'était la mode de mettre des franges au bout de l'ouvrage. Donc j'ai mis quelques franginettes, on va dire. J'ai pas fait des trucs bien bien épais. Vous voyez, regardez. Voilà, quelque chose de pas très très épais, mais il y a quelques franges. Donc, au bout de chaque pan, je vais vous faire des photos parce que là, ben, ça rend rien du tout, bien sûr. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. En finalité, j'ai eu besoin, franges comprises, pour la, vous voyez combien il est long hein, quand même. Hein, j'ai eu besoin d'une dizaine de pelotes. Voilà, d'une dizaine de pelotes, mais bon, le
Le modèle fait 1,74 m et vous voyez la longueur que ça a. Donc n'hésitez pas à le raccourcir un petit peu si vous voulez. Ça vous fera économiser des pelotes, bien évidemment. Et bon, pas grand monde font 1,74 m. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit papa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.